Énorme! Incroyable! C'est fou cette histoire, c'est fou ce qui nous arrive. Comment ils vont? Les petits loupiaux? Je sais pas si ça marche bien, de toute façon, bon. Vous avez vu l'intro ou pas? Oui, hein. En théorie. En pratique aussi. Ah bah, bref! Voilà, incroyable. Les grands esprits se rencontrent. Bon alors, où j'en suis dans le jeu? En gros, pour résumer les épisodes précédents, enfin l'épisode précédent, c'est fluide, superbe. Pour résumer l'épisode précédent, en gros, j'étais arrivé à la fin ultime, enfin à une des fins. Où en fait, on rencontre mon père, qui s'appelle le Hibou, qui est un genre de gros mec archi barbu machin. Et en gros, il m'a dit ouais, bah en gros t'as le choix. Salut bébère. T'as le choix, soit tu me suis. Donc en gros, c'est à dire que soit tu tues, enfin tu décides de désobéir à ton. Moi j'ai coupé mes cheveux, hein, vous pouvez le voir. Enfin Leslie m'a coupé les cheveux. Du coup, j'ai un peu la coupe de Jeanne d'Arc, mais. Désolé. Donc voilà. Donc en gros, il m'a dit bah soit tu abandonnes ton héritier, enfin le mec que j'étais censé protéger, et du coup tu me suis. Soit tu lui restes fidèle, et dans ce cas-là, on se tape. Donc en gros, là j'avais le choix. J'ai pas fini le jeu, justement. Là j'avais le choix. Si en gros je disais bah tu sais quoi, je te suis. Genre j'abandonne le mec que je protège depuis sa naissance et je te suis. Là normalement j'aurais eu un boss qui arrive et qui dit non c'est pas possible. Je me serais battu avec lui et fin du jeu. Sauf que moi j'ai choisi de rester fidèle. Et vu que je suis resté fidèle, mon père s'est battu contre moi. Apparemment c'est un des pires boss. Je l'ai eu en 4 tries. Donc genre grave refait. Et en fait une fois que tu fais ça, t'as accès à une nouvelle zone qui est en fait le paradis. C'est la zone des divins. Puisque la source de l'immortalité, voilà, c'est dans une sorte de paradis, je sais pas quoi. Donc j'ai dû monter. Genre j'ai pris une sorte d'énorme. Je suis monté à dos d'une sorte de poupée géante. Et donc là, je suis dans un endroit qui est absolument magnifique, mais qui est globalement un endroit rempli de gens qui vénèrent l'immortalité, tout ça. Merci! Bah en fait c'était au même endroit que je me suis battu contre Jennichiro. Et j'ai vite compris son pattern et j'ai vite... La Strat Speedrun est assez ouf contre lui, ouais. Ouais bah j'ai regardé un peu le speedrun. Ouais. Bon on va y aller, tranquillement. Bon, ça fait une semaine que j'y ai pas touché, hein, donc je suis rouillé, hein, comme d'hab. Oh, bon, comment ils vont sinon? Ils sont prêts à déconfiner? Ou pas? Non, vous êtes pour la plupart en Bretagne, je crois, donc... Ouais, bah, déconfinement. Ça va déconfiner sec, quand même. En vrai, le seul truc bien, c'est qu'on peut voir des gens. On peut pas les toucher, on peut pas... Voilà, mais... Mais quand même. On est en BZH, oui, mais les autres, ça me semble pas. Bébert, non, le Bébert, il est à rond, je pense. Tu reprends le boulot mercredi? Bah ouais, je sais. C'est pas là.
ça le souci. Leslie qui regarde des trucs de maison à côté. Du coup, je dois dire oui et non. C'est non. Ça, c'est oui. C'est en 3D, mais c'est dégueulasse. Bref, on va y aller. Nam reprend mardi, je crois, de ce qui me tient à la fois. Bah, c'est jeudi. Jeudi. Ça a été décalé. Ça a été décalé. Ça se trouve, Leslie va pas reprendre. Parce que toujours en zone rouge. Hein. Donc, c'est pas clair. Nous, on est toujours en zone rouge. Ok, alors deux petites secondes. Oui. Je vais activer le truc qui fait que je peux faire les trucs. Voilà. On ne devrait pas avoir de soucis. Déconfiner, c'est Nawak. Bah écoute, c'est pas tant Nawak que ça. C'est surtout les modalités qui sont floues. Non, en vrai, le truc que j'ai qui me saute aux yeux, c'est normal le drop. Le truc moi qui me c'est qu'en fait personne n'a compris. Personne n'a compris le plan de déconfinement. Personne ne sait comment ça se passait. À tous les niveaux. Il y a un truc avec... Salut petit Ben! Il a fait un petit coucou, c'est bien. Personne n'a compris quel était le... J'arrive, je mets le jeu. Hein. Je vais juste voir si ma manette fonctionne bien. C'est bon. Personne n'a compris... le principe des départements, tu vois. T'as les départements verts, ils peuvent déconfiner, les départements rouges, ils peuvent pas. Sauf que dans les faits, les départements rouges, il peut. C'est un peu curieux, quoi. Bon, comme vous pouvez le constater, je suis mort 245 fois. Alors, regardez, je suis à un endroit absolument magnifique. Je vais essayer de... C'est la zone préférée de beaucoup de joueurs, apparemment. Mais regardez-moi ça. Donc en gros, là il y a un boss facultatif qui est une carpe géante. Et je voulais la voir. Gaffe aux poissons, voilà. Il y a une carpe géante et je l'ai pas vue. Et j'aimerais juste voir la gueule qu'elle a. Ah, une sorte de poulpe, d'homme poulpe dégueulasse qui font de la flûte. Je vais me faire rouler dessus. Je crois que la carpe elle est par là-bas. Peu tendu. Hein. Alors tous les mobs de cette zone sont horribles. Je veux juste aller voir la tronche de la carpe. On la fera pas, je pense, parce que c'est un mini-boss facultatif, tout ça. Donc... Et là en bas, là, comme vous pouvez le voir, il y a deux mecs. Dont un sans tête, que je ne me ferai pas. J'aurai de la vie. Bon, les petits retards d'affichage, j'ai bien mon PC n'est pas non plus... C'est une compète. Alors, parce qu'en gros, la dernière fois, je voulais juste voir la carpe, et... Mais je ne vois pas par où aller, en fait. On m'a dit que c'était par là, mais... Elle est dans une grotte sous le lac, je crois. Oui, mais c'est ça, justement. Le problème, c'est que... C'est bon. Mais la grotte en question, je la... Elle est là, putain. Oh, elle est énorme. Regarde, Leslie. Quoi? T'as loupé, du coup. Oh. Bah, je vais te la montrer. J'ai un peu sursauté. Hein. Regarde. Donc. Dis-toi, c'est une carpe géante. Elle va m'ouvrir, non? Wow. Voilà. C'est une carpe quoi? Je pense qu'elle va m'ouvrir la gueule.
C'est, je voulais juste la voir en fait. Juste voir la gueule qu'elle avait. Musique de l'angoisse. Ah. Je suis mort. Ah. D'accord, on va pas se battre contre elle. Hein. Elle est facultative. Hein. Donc je vais pas me la faire. Je vais pas du tout me la faire. C'est mort. Parce que j'ai pas envie. Alors, palais de la fontaine, on est là. Là, il y avait un mec. Je l'ai tué, mais il y avait un gars qui me balançait du... des éclairs. Et en plus, c'était un boss. Je l'ai défoncé en 3 secondes. Ouais. Parce que, en fait, c'était un faux boss. Alors, eux, ils sont horribles. Il y en a, ils font du foot. Enfin bref, vous verrez bien. Donc, on va éviter les... Voilà, ils font des bruits bizarres aussi, hein. Qu'est-ce que tu fais, Quentin? Voilà, là-bas, il y a un gars et Shishimen qui va certainement m'attaquer. Je sais pas ce qui se passe. Il y a des trucs qui m'attaquent, je sais pas ce que c'est, genre. Ah, là-bas, là. Et qui ça? Pas clair. Qu'un peu quoi, il y a les mêmes dans Animal Crossing, j'en fais pas tout le temps. Bon, elle ne tue personne. Le petit détail. Oui, mais c'est surtout que elles font peut-être pas la même taille, quoi. D'ailleurs, je suis quasiment certain qu'on dit carpe quoi. Hein. Enfin, bon. Putain, y a pas moyen de monter là. Niquez-vous, les bâtards. Non, mais attendez. Où vais-je? Enfin, mais c'est stupide. Par où je monte? Non, c'est pas possible, il y a forcément un passage. Faut pas que je fasse tout le tour, si? Elles font pas 28 mètres. Non, c'est vrai. Mais là, tu vois, c'est déjà celle qui a ici, sans être le boss. Elles font pas 28 mètres non plus, hein. Mais elles sont quand même grandes. Putain, mais... Ah mais d'accord, il veut pas attraper... Ah oui, il peut attraper que les trucs où il y a du... Mais vas-y. Bon bah ok, donc bah je fais comment? Et voilà, on est déjà coincé, super. En gros, le problème c'est que... Il y a un endroit là, où il y a le gars Shishimen. Et le gars Shishimen, en fait, il me one-shot. Ah attends, ça va peut-être être là. Non, faut que je fasse le tour encore. Putain, mais nom de Dieu, quoi! Ah, faut que je passe par là-haut. Mais... Bon. Tiens, on va voir, hein. Il y a un sans-tête dans ce coin. Ouais, au fond. Il est au fond de l'eau, mais j'y vais pas. En fait, les boss facultatifs qui vont juste me rouler dessus et qui m'apportent rien à part une perle de chapelet... Bon. Pour vous mentir, je vais pas les faire. Hein. Je vais pas non plus me... Mais vas-y, pourquoi? D'accord. Okay. Donc, je sais qu'il faut que j'aille tout là-bas. Mais vous m'avez pas vu! Alors, ceux qui sont là, là, ils font très très mal. La preuve. Bon, déjà, ils font des bruits un peu bizarres aussi, mais... Aïe! Ah là là! Je suis rouillé à la race. Mange tes morts. Quoi? Faut que tu passes à l'endroit où t'as croisé la grande carpe sans attaquer. Oui, c'est ça. J'y vais, j'y vais. Non, je suis fatigué. Ok.
Je suis un peu plus... Je me débrouille mieux qu'avant, mais... Ah, pouf. Ok, donc... On va aller voir l'endroit où il y avait la carpe quoi, mais... On va pas se faire la carpe quoi. Et pas Mister MV qui veut. Attends, MV l'a fini sans utiliser un seul bonbon ni les stats. Bon. Il a fini quoi? Le boss final sans faire demi-boss. En vrai, j'ai fait pas mal de demi-boss, mais c'est vrai qu'il y en a, si je peux les éviter... Je vais pas m'en plaindre, hein, clairement. Parce que je suis... voilà. On verra bien comment ça va se goupiller, quoi. Ah, il faut que je traverse la zone ? Faut que je traverse la zone de la carpe sans me taper la carpe. Sans l'attaquer. Ben, je l'ai même pas attaqué en plus, mais pour l'avoir refait il y a un mois, j'en ai bien bavé encore. Écoute. Voilà. Mais je vais mourir. Oh, qu'elle est moche. Elle a des dents humaines ? Ah, elle a des dents! Elle est dégueulasse! Putain, elle est vraiment énorme, quoi. Non, mais. Plonge, Michel! Remonte un peu, remonte un peu. Ouais. Je veux pas savoir, je veux rien savoir, je veux rien savoir, madame. Vraiment, vraiment, je veux rien savoir. Moi que c'est par là, s'il vous plaît. Ah! Non, mais monte, connard! Allez! Allez! Plonge! Allez! Ah! Mais non, putain! Qu'est-ce que tu fais? Oh non, Nick, la carpe c'est vraiment mort. Déjà parce que j'ai pas compris trop compris comment la faire quoi. Alors me faire ouvrir, vais-je me faire ouvrir? Si je dois refaire tout ce passage-là, ça va être chiant. Je pense que les systèmes de choc doivent être balèzes. Le problème, c'est que les longues séquences cryptées scores de l'autre côté, je vais prendre sorte pour le level design. Ouais. Ah oui, FF7, ouais. J'ai vu aussi qu'il y avait effectivement des... Il y a une lumière qui vient de s'éteindre, je rêve. Ouais, moi aussi j'ai eu un flash. Ah mais non! Il y a de l'orage? Oui, on a de l'orage. Alors, si le stream coupe, c'est normal. Ça veut dire qu'il y a de l'orage. J'adore l'orage. Les gens qui détestent ça, moi j'adore. Putain, je vais être distrait par l'orage maintenant. Déjà, j'avais le chat. Alors, moi j'aimerais bien... Voilà. C'est donc là. Gaffe à vos PC quand même. J'ai jamais eu ce problème là. Mais bon, si le PC s'éteint, vous saurez pourquoi. Ça a OB déjà dans tous les sens, il y a un chapitre entier qui saute. Putain, mais oui, le OB quoi! J'adore ça! Qu'est-ce que c'est que ça? Leslie? Les petits oiseaux qui mangent des jambes. Ah non. C'est les mêmes que la dernière fois. Bon, j'ai compris.
ta mère. Le petit génocide, yes. Mais moi aussi je disais ça. Ah, ouais, non mais ça va aller. T'inquiète même pas, va. Ah, je suis là. Ah d'accord. Pourquoi je vois rien? J'aime pas ça. Ah, et des œufs et tout. Ah non, c'est pas des œufs, c'est des masques comme c'est pour mieux. Ça pue le boss final quand même. Graines de gourde. Ah bah putain! Mais bon, sincèrement, ce que ça va être le boss final. Pardon. Alors. C'était pas terrible ça. Faut me dire, ça vous dérange que je rote? En vrai, je me rends compte que j'ai aucun scrupule à le faire. Attends, je suis un peu sur mon stream, ouais, d'accord, mais. C'est un truc que je fais assez naturellement et j'ai l'impression qu'il y a des gens que ça. Ça outre. Oui. Ah, et la douleur. Ouais, j'ai quand même perdu de la life. Merde, c'était un peu haut. Il me semble que Joe et Mathilde ont perdu leur sauvegarde ou un truc par rapport à. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il n'y a pas de. Toujours pas de. Pas d'éclair. Enfin, il y a eu un éclair tout à l'heure, mais on l'a pas. Alors écoute. On verra, je reste confiant. Bon, je n'ai aucune idée de par où il faut que j'aille sur les choses, mais c'est pas grave, je m'en rends compte pas en même. Hop là! Tu devrais rôter plus. Il y a des éclairs effectivement, mais par contre c'est dans le jeu. Ah! Oui, d'accord. Mais putain! Alors, ok, bon. Donc je saute. Il est bugué ou quoi? Mais putain, j'ai encore. Allez, ta grand-mère! Donc j'ai réussi du coup. Ok, donc c'est bien ça. Donc je saute. Je saute, je pars. Je renvoie. Ça va, le son est fort ou pas? Ça va aller, je pense. Putain, si je dois me refaire tous ces connards à chaque fois, ça va être compliqué. Je sens qu'on arrive près de la fin, j'ai un genre de prémonition. Ah. Ah bah tiens, je vais aller voir mes mères. Mes mères, la graine de gourde. Putain, on a des voisins qui font du bruit. Elle est où pas Janine, ouais. Oh bah Gabriel, hein. La graine de gourde. La graine de gourde. Salut. Bon, je lui parle pas, c'est pas mon srab.
Comment il va le Canadien? Le Canadien? Patrick Lafontaine. Sanctuaire. Au Canada, ils sont à peine confinés. De ce que j'en sais. Alors que nous, on déconfine. Moi, je préchote, hein. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, début juin, c'est bon. Tout revient à la normale. Merde, qu'est-ce que j'ai. Oh là là. Il y a une cinématique. Ah. Merde. Bah, dans 15 minutes, j'aurais pas fini de jouer. Hein, donc, désolé. Pourquoi j'ai prié? J'aurais peut-être pas dû. Non, mais je veux dire, dans le sens où on déconfine complètement et ce genre de choses. Et dans le pire des cas, dans une semaine, on reconfine. Ils vont rester aux plages, etc. Semaine pro à Vancouver. Putain, bah. Nous, ils ouvrent certaines plages lundi. Wow, c'est tellement stylé. Donc je suis au royaume divin là. Oh, ça pue le dernier boss. Ça pue si fort. Oh non, qu'est-ce que c'est que cette saloperie encore? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais mourir. C'est honteux. Putain, dégueu. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Voilà, mais d'accord, mais mais attends, le principe c'est que je dois faire quoi là? Oh! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Incroyable! Je remonte à tout, hein. Voilà, 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 voilà. C'est quoi ces saloperies là? Ok, bon, c'est comme ça qu'il faut que je fasse quoi. Oh là là, ta tête titi hein! Oh la tête! Oh là, ça va être horrible, ça va être horrible ce boss, ça va être dégueulasse. Ok, donc je l'ai eu. En vrai, il est pas si dur celui-là. Ah, peut-être, mais ils sont moches. Napalm. Ouais, Napalm, ouais. Brûlez-moi tout ça, s'il vous plaît. Oh, le truc, il a refleuri. Oh non, non, non. Ils sont horribles! Mais ça va encore être un boss avec du la foudre. Je vais. Vas-y, le jeu qui se prend pour Okami, quoi. Eh, le jeu, Faisant des parkings. Le suivant est pas dur non plus, faut juste comprendre le pattern. Au secours! Eh bien. J'ai pas les 7 boules de cristal, les Dragon Ball, mais tu sais. Oh là là, au secours. Ok, bon, c'est parti. Leslie? C'est le boss. Mais
Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Mais ta mère à la fin. Ah d'accord. Ah ouais, donc c'est un boss un peu classique. Ok. Ah, par contre ça one shot, hein. Ça va être horrible, Ce boss va être dégueulasse. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais... putain, ça va être chiant, il va être chiant ce boss, il va être très chiant. Oh putain, à chaque fois je vais devoir me retaper les os, dégueulasse. Les os dégueulasses ça va encore, ils sont plutôt mais... oui, start. Il va anticiper sur carrément la foutre tombe. Ouais j'ai vu. J'ai vu un peu tard mais j'ai vu quand même. C'est comme ça qu'il faut faire. Okay, bon, c'est easy, mais bon, quand même. Ah le con, con même. Voilà. Monte. Voilà. Voilà. Ok. Ça va être chouette comme boss, mais bon, ça va être un peu galère, quoi. Ok, bon, c'est faisable, mais c'est quand même compliqué. Hein. Allez, ta grand-mère! Ok. Moi, paniquer, non. Tire. Ok, ça va. Effectivement, le pattern est plutôt easy. Mais quand même. Allez, encore quoi, deux fois. Oh là là, non, oh là là. D'accord, bon, ok.
sûr. Allez, fais les branches là. Putain, le con. Mais branche. Mais putain non, fais chier. J'avais perdu le lock, nom de Dieu! Allez, branche. Non, pas maintenant. Ta mère. Ok, je l'ai niqué, c'était cool. Mais attends, ah c'est ça! Non, vite, 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 vite! Allez, ta mère! Pardon, c'était un peu poétique et j'ai mis de la musique de merde. Le don précieux des larmes, incroyable! Il est con ce boss à faire pop des branches. Oui, non, mais en fait, oui. Merci, jeune gens! Yes! On en est là. Bataille avec un ennemi rare redoutable qui vit dans le cœur de loup. Un dragon divin, l'arme obtenue auprès du dragon divin, seule la lame de la mort est capable de manipuler le don des larmes. Comme le corps du dragon divin lui-même, la larme, une fois versée, conserve sa forme à jamais. Si l'un des héritiers du dragon consomme cette larme, il peut trancher rituellement les liens d'immortalité. Ce bordel. Pas trop dû. Je suis mort deux fois, non? Depuis le début, là. Ouais. Trois fois. Deux fois. Deux fois. Clé du passage secret. La clé du passage secret qui mène à l'extérieur du château Ashina. On peut trouver le passage secret au bout de la douve du canal Ashina, loin de la tour de la lune. On peut préparer au dernier. J'ai peur. Merde. C'est là où je me suis fait couper le bras, je crois. Quel chemin, c'est un coup, putain. Bon, et bah super. Je voulais que je vous dise, ouais. Alors par où je vais, je prends le chemin directement. Spoiler alert, le final a trois phases. Merci, c'est bien de... C'est bien, pas plus, n'en dis pas plus. Ok, signal de fumée. Ok.
Quoi ce bordel? Qui m'a vu? Ils sont tout en bas. Ah non, ils sont en train de se battre avec d'autres gens. On va laisser se battre, hein, que je vous dise moi. Alors, les signaux de fumée. Ah, c'est bon, j'en vois en bas là. Ok. Oh putain, ils sont morts, hein. C'est pas moi qui les ai ouverts, hein, je peux vous garantir. Ok. Ok. Je vais y aller à pied. Oh putain, non! Non mais... Lock-le, putain! Ah, salut mec, allez. Fonbou Master. Ouais, elle est gros là. Sortez les chips, hein, c'est le moment. Ouais, un petit combat quoi. Deux mecs qui font un combat. Les chips. Oui bon, l'issue est incertaine, mais bon. Bon, c'est par là, je suppose. Allez, comme ça, c'est mon pote. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah! Attendez. Il est mort. Bon bah c'était pas dingo non plus, mais c'était bien. Ah ouais, je vais faire, j'ai un truc qui fait que je peux les genounaï. Je peux les penser à d'aille. Cool, et je vais le tuer aussi. Il est quand même trop classe quoi. Alors la douve c'est par là hein. Je pense. La tour de la lune, je la vois pas, donc globalement c'est... Ouais, fuck it. Ah, j'ai plus de gourde médicinale, merde. D'ailleurs, ils sont où, Mathilde et Jo? Ils sont dans le coin ou pas? Peut-être leur envoyer un petit sage-mail. Bon, même si je sais pas s'ils sont très fans du jeu. Regarde, voilà. Ok, deux cartes. Oui, mais je les récupère. Bon, alors, c'est par où cette merde? C'est pas par là? C'est pas là. Par là, j'ai déjà Yatei. Vous êtes autorisé à me dire par où aller. Hein. Genre là, il n'y a pas de problème, c'est pas un spoil. Vous pouvez y aller quoi. J'ai déjà été là, mais. Ouais, je fais le tour. Absolument.
Oui. Mais ils veulent tous m'attaquer, en fait c'est ça le problème. J'accepte ou je ne dis rien? Bon, j'accepte. Ah, peut-être pas dû. Quel mur de boue. De quoi il parle ce con? Bah, il est dans un ensemble, je trouve, je comprends. Et quel mur de boue parles-tu, triste sire? D'accord, mais il n'y a pas de mur de boue! Vraiment bigleux, hein, il voit rien. Ah, il rencontre au sommet. Ah non. Putain, mais de quel mur de boue il parle, je comprends pas. Oula, 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 oula. D'accord, putain, c'est un bordel, je comprends pas du tout où je dois aller là. Ok, alors non, non, jamais de la vie, je vais me battre ici. Ok. J'y vais, ce fut court mais plaisant, bonne bourre et roulez relax. Yes. Eh ben salut. À pour bien. Pour un autre jeu. Pour Sekiro toujours. Ok, alors, la douve près de la tour de la lune. Mais qu'est-ce que c'est que cette tour de la lune de ces morts là? Château Ashina, certes. Qui m'a vu? Qui m'a vu? Bon. On va y aller autrement. On va y aller autrement, on va faire voyager. Réservoir d'Ashina, c'est là? Oui, mais... Oh non, oh c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait ils expliquent rien. Ils disent c'est par là. La tour de la lune, c'est pas là où tu as trouvé le gamin au tout début. Ah ça doit être ça. Ok. Allez voir. C'est vrai, il y a un moment, un tour d'Ashina. Je veux voir s'il m'en parle un moment, quoi, de la tour de la lune, parce que... Ok, donc, là, moi, je suis là. Ok, on va aller là. Je vois où c'est par rapport au... Je crois voir où c'est. Poison de la rouille bleue. Les gens veulent que la rouille bleue venimeuse de la lame soit capable de repousser même les inhumaines guerrières Okami. Et les guerrières Okami maintenant. On va vendre des trucs parce qu'on a de la thunance. Poudre curative. Qu'est-ce qu'on aura... Qu'est-ce qu'on se prendrait bien là? Ouais, ouais, salut. Alors, je vais aller voir le vieux monsieur. J'ai beaucoup d'argent. Lieu important, temple en mine. Oh. Quelle aventure, ce jeu. Nom de Dieu. Qu'est-ce qui c'est, lui? Oui.
Shinobi, tel que vous comprend certainement la valeur d'une bonne information. Note sur la Sabimaru, note sur la pagode à 3 niveaux. Quoi ? La pagode à 3 niveaux, il faut l'acheter pour lire le contenu. C'est quoi la pagode à 3 niveaux ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Y'en a un qui peut m'expliquer ou pas ? Ah, c'est peut-être des trucs. Bon, tant pis. On va aller voir Vieux Marne, qui a disparu. Adapter un nouvel outil de prothèse. Oh putain, il est plus là ! Bah alors, petit père, hein ? Oh ! Mais pourquoi ? Oh non, et... Lui léger, touché par attaque, sans dire l'utilisateur peut me retirer les armures. On va faire ça, tiens. Il n'y en a pas, bon. C'était des indices, plus besoin pour des anciens chapitres du jeu. Ah ouais, d'accord, moi je vais trop vite, quoi. Ok, ok, bon, si je vais par là, ça va me prendre 200 ans. Surtout que je peux plus y aller en fait, sur tout ça. Bon. On va y arriver, on va y arriver. Oh, c'est chiant quoi. Ouais, quand t'as eu l'enjeu à mon dernier temps. Putain de merde. Mais putain! Mais comment je suis censé y retourner? Tout est bloqué! Tout est bloqué! Tout est bloqué, comment je suis censé y retourner? C'est très compliqué là. Les arts de combat ont venu acquérir des compétences du leader, du sculpteur. Ok, faut aller là. Ouais, mais ici je peux plus y aller parce que. D'accord, au revoir. Oui, bien sûr, monsieur. J'entends ce que vous dites. Ah, mais c'est que là, j'ai pas 36 000 solutions, quoi. Si tout est fermé... Ah, quoique... Ah, mais si je saute, là, je suis mort. Je reconnais complètement l'endroit, mais si je vais par là, je suis mort. Cela c'est fermé. En fait, si c'est fermé, c'est que certainement il y a une bonne raison, quoi. On meurt. Ah, il est vraiment pas beau, lui. Hein. C'était full gratos, mais écoutez, pourquoi pas. La marche à suivre m'échappe un peu, je dois. Au revoir. Puisque je peux pas aller là, là, parce que c'est pété le truc. Donc. Suis les signaux de fumée sur les toits. D'accord. Bon, je vais retourner par là. Ça, je vais essayer de retrouver une position, on va dire, convenable. Bah oui! Ok, signaux de fumée, vu. Signaux de fumée, signaux de fumée. Signaux de fumée là.
très bien joué de ma part, ça. C'est faux, hein. C'est pas du tout bien joué. On va voir. Excusez-moi. Hein. Putain, le foutoir, quoi. Tu l'as déjà fait, le jeu, toi, mange tes mains. Attends, mais mange tes morts. Non. T'étais déjà venu sur mon stream ou pas? Non, t'as un pseudo un peu compliqué. Ok, donc j'en vois pas de l'autre côté. Du coup, je suppose que c'est par là. Ah, ils sont trois! C'est compliqué quand même, c'est ça. Parce que je peux pas aller de ce côté là. Enfin, dans le sens où je peux pas. Attends, faut bien que j'observe. Un signaux de fumée, deux signaux de fumée, trois signaux de fumée. Où est le quatrième? Où est le quatrième? Il m'a vu lui. Il m'a vu. Confirmation, il m'a vu. Non mais putain! Oh là 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 là, comme tous les personnages de des jeux From Software, il a des savons sous les pieds. Alors, on y croit. J'y crois à mort. Alors. Par là du coup, forcément par là. Ah. Mais non putain, oh là là, bon. C'est la première fois que je viens. J'ai fini la semaine dernière, d'accord. Saute en face. Donc j'ai sauté en face, donc c'est bel et bien là. Je saute en face. Et une fois là... Bah là, il n'y a plus de signaux de fumée, quoi. C'est le problème. Là, il n'y a plus de signaux de fumée. Alors, c'est pas là. En fait, c'est par là-bas qu'il faudrait que j'aille. Mais... Putain. Oh, le labyrinthe de ces morts. Parce que là, ça n'a aucun intérêt, puisque là, j'en viens. Je suis monté, là. J'ai fait tac, tac, tac. Regarde, j'y suis, tu vois, le niveau de fumée, là. Le signaux de fumée, pardon. Là, c'est l'entrée du château à China. Au-dessus, c'est au-dessus. Ah, mais je peux pas. Ah, quoique. Je peux pas aller au-dessus. Je suis mort. Je peux pas aller au-dessus. C'est ça le problème. Y a pas de... J'ai pas d'endroit où m'agripper. Je peux pas y aller. Bon, je refais le chemin. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Non, je ne ferai pas cette référence. Je veux bien aller au-dessus, mais il veut pas, alors... Kiro n'a pas une allonge dingo quand même. Ou alors il faut que je saute et que j'agrippe, mais je peux pas. Bon, j'essaye. Par au-dessus, ouais, mais. Mais quand même, j'y vais au-dessus. Le problème sera le même.
Attends. Il n'y a pas de signaux de fumée là. Bon, le réservoir à China, c'est par là-bas, on est d'accord. Bon, écoutez, là, je suis un peu... Oh. Ça m'échappe un peu, là, je devrais... Par là, là. Là-bas, il sautera pas assez loin. Oh là 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 là, le level design, sérieux. Pff. La fumée s'arrête là, il y en a pas d'autre. Putain, j'aurais pu le tuer. Bon, on va voir faire le chemin, hein. Et moi qui pensais être coincé sur un boss, je suis juste coincé sur un level design dégueulasse. Alors. Donc ça fait 1. Je comprends pas moi. Alors c'est là, mais non, c'est pas là. Descends à la troisième fumée. Donc. Il y a une fumée là-haut déjà. 2. 3. Tu veux dire que je saute en face là? Saute en bas là. Ah oui, il y a un décalage. Donc je. Est-ce que là je saute en face ou je vais derrière? Oui, en bas. Bon, okay. Ok. Et de là? Non, me dis pas que c'est ça. Encore en bas? Ah bon? Je suis à 12 mètres de toi, mec! Ah, puis il y a l'autre qui s'y met. D'accord, il y a l'autre qui s'y met. Ok, superbe. Oh, je suis mort. J'ai fui. Et à droite, dans la voûte. Je vais aller voir, droite dans la voûte, j'ai pas bien compris. Par le tunnel, genre au sol? Ah, par en bas là! Salut! Ah mais oui, d'accord. C'est là où tu combattais, il y avait un passage dans le mur, un grand trou, c'est ici. Oui, c'est ça, d'accord. Non, non, mais on est d'accord. C'est juste que je... À l'ouest. Ok, donc tout est un feu, là, puis... Il est mort. Ah, ceci étant dit, est-ce qu'il est mort? Merci, hein. Non, non, s'il vous plaît. Ça va être rigolo ce petit combat.
j'ai de l'huile. Du fait que j'ai de l'huile. J'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai qui peut être bien? Poudre parfum, sucre d'aqua. Merde, j'ai même pas affronté mon souvenir, je suis con. Putain de... J'ai... Tu peux? Ouais. Allô? Mais ça va aller, salut Mouli. Bruminoka, salut Bruminoka. Qu'est-ce que... Non mais, au secours, genre je peux pas. Ok. Mais y'en a un, il me voit nécessairement. Mais voilà, mais c'est impossible! Mais je crois que je peux les bypass, mais je vais le faire! C'est obligé, là! En fait, il y en a un, il me spot direct. Donc, en gros, vu qu'il y en a un qui me spot, l'autre se spot. C'est faire marionnettis sur le petit mob. Bah ouais, mais le problème du petit mob, c'est qu'il me voit direct. Il me voit automatiquement. Ah, il me voit, là. Peut-être pas, peut-être pas. Putain, mais c'est impossible! Ah, le petit mob, c'est lui! Le petit mob, c'est lui! La texte. D'accord. Bon, écoutez, regarde. Tu l'as? Tu l'as? Non? Si c'est bon. Je me suis... Là j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu énormément de chance, genre. Quoi? Ah. Ok, ça va être très chiant. C'est non. Alors. Ok. Tire! Mais putain, c'est pas ce que je voulais faire! Oh, comment ma vie c'est de la merde, mais vas-y là! Ok, alors déjà faut que je change le compteur de mort parce que du coup je suis mort au moins 5 fois là. Donc on va mettre 250.
Attends, il y a 250, mesdames et messieurs. Incroyable. Ça, c'est fou. C'est stupide ce que t'as fait, mec. Mais putain! Le Mikiri, là, il rentre une fois sur 14 encore, on sait pas pourquoi. Ah d'accord, il y a les deux maintenant. Mais ça va être horrible. Ça va être horrible. Alors que là j'ai le seum, donc du coup j'ai pas envie. Mais vas-y! Bon, à la fin du jour, ce sera peut-être pas ce soir. Hein. Faut que j'arrive à au moins en buter un, quoi. C'est pas possible! J'en ai marre de pas capter les patterns, quoi. C'est ça qu'il est une allonge d'enculé! Mais c'est impossible! C'est impossible! Non mais c'est impossible! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ils sont imbutables! C'est stupide au dernier degré! Est-ce qu'il y en a un qui... Est-ce que... Dites-moi... S'il y en a un... S'il y en a déjà parmi vous qui ont réussi à les buter... Et si oui, comment ils ont fait, quoi? Parce que je comprends pas. Mais vas-y, j'étais super loin, non sérieux.
Allô ? Allô ? C'est impossible ! Attends, faut que tu t'approches discret des deux marionnettistes. Des deux ? En fait, le mec avec sa grande lance, c'était un mini-boss que tu pouvais battre avant tout seul. Mais si tu l'as pas fait comme maintenant, alors tu te tapes avec son poteau. Putain, mais oui ! Donc, mais attends. Quand tu dis le mob face au mini-boss, tu parles du mec qui est assis dans le coin ou tu parles du gars avec son katana ? Mouli. Parce que le gars avec son katana, il me voit direct. C'est lui que j'aimerais bien posséder. Mais le gars avec katana, il me voit direct. Regarde, si je suis là, il me voit. Il m'a... Direct ! À aucun moment, je peux, en fait. À aucun moment, il me... Aucun moment, quoi. Fais un gros détour par la gauche. Mais par la gauche, je passe devant lui. Mais non, mais... Il est face à moi. Regarde, il me regarde, là. Vu qu'il me regarde. Voilà, direct ! Macramé direct. Tiens, je veux bien, mais il me voit cash. Putain! Oh là 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 là! C'est chelou, j'ai niqué comme ça, bah. Bon, je suis mort 3 fois, hein, 253. Bah, en fait, il me regarde comme ça. Donc, en fait, il est comme ça. Donc, ses yeux sont comme ça. Moi, je suis ici. Si je vais par là, il me voit. Si je vais par là, il me voit. Dans tous les cas, il me voit, en fait. Bah c'est autre chose. Voilà, là il... Là voilà, il me voit. Essaie de perdre l'aggro en fuyant. Mais je suis par où ? Ah oui, d'accord. Enfin... Voilà, ouais, on va perdre la vie. On va s'occuper du mob, sinon il est ingérable, certes, mais il est ingérable de toute façon. Enfin... Mais le mob en question, là, il... Merci. Bon, j'essaye. Ah non, je me barre. Je peux pas perdre l'aggro. Je peux pas me barrer, en fait. Il y a nulle part où aller, donc... Il
Et là, tu vois, j'ai pas l'option, je peux pas le... Je peux pas perdre l'aggro. C'est ça le problème. Je peux pas me barrer. Donc je comprends pas ta technique, hein. J'ai bien compris qu'il fallait que je le fasse en deux fois. Quand t'es sur la branche, il y a un point de grappin. Oui, mais... Ouais, mais le point de grappin, il me fait pas revenir... C'est pour continuer le jeu, en fait. C'est-à-dire que là, je perds pas l'aggro, quoi. Ouais, d'accord. En fait, j'ai pas la flemme, mais j'ai envie de comprendre. Moi, j'ai bien envie de le buter, je suis pas contre, hein. Ça m'a l'air quand même un peu compliqué, quoi. C'est impossible. Si tu continues un peu plus loin, tu vas perdre l'aggro. Ah, d'accord. Ok, ok, je vais essayer ça. Putain, mais il est, par contre, stupide, le truc. En fait, t'es un peu obligé de tricher, quoi. Tu dois tricher pour vaincre le boss. Quoi. Et pour moi, c'est de la triche, ça. Le fait de te perdre l'aggro et ce genre de choses, c'est du pur... Je l'ai repris aussitôt. Non. Mais putain! Connard, le grappin, fils de... What? What? Vous avez vu ce que je viens de voir? Vous avez vu ce que je viens de voir? Il s'est jeté dans le vide! Il s'est jeté dans le vide! Il s'est jeté dans le vide, on est d'accord? Je crois qu'il était pas vraiment censé se jeter dans le vide parce que... Il est réapparu et pareil. Ah
calmez-vous. Du coup, j'ai battu le boss ou pas? Parce que là... C'est pas clair. Incroyable. Bon, on va dire que oui, hein. N'importe quoi, quoi. N'importe quoi. C'est rigolo. World Premiere. Pas besoin de strat. Oui, oui, oui. Tu sais, faut te mettre sur la branche et attendre qu'il te fonce dessus comme un débile, mais... Quand même un peu curieux, quoi. Ça pue le boss de fin, mais si fort. C'est par là qu'il faut que j'aille. Allez, c'est parti! La cinématique. Non. Quoi? Mais il peut pas mourir. Shinichiro? Non. Mais non! Nique ta mère! La deuxième dame d'avant, il y a deux lames? Mais pas Genichiro! Mais non! Ah non. Putain, il est full d'éther quand même. Hein. Putain, mais pas encore. C'était déjà lui qui m'avait coupé le bras, non? Oui, hein. Shimai Toshio. Mais pas toi. Putain de merde. Bon, allez, hein. Eh bien, c'est au revoir à ma santé mentale, mesdames et messieurs. Oh, ça me rage, j'ai des... Oh non, j'ai du PTSD. Oh là là, ta titi, hein. D'accord, oui. Oui, d'accord. Donc lui, il a trois phases, on m'a dit. Ah, oh, mais d'accord. Ah oui, non, non, d'accord. Plutôt 4. Non, mais putain. Non, mais je... Mais... Non, mais en fait, elle est... Comment tu fais pour éviter son attaque de mort, là? Ok, ok.